Ça va au point la jeunesse dorée de Waterloo. Bon, voilà, aujourd'hui c'est encore moi qui viens vous embêter pour une petite séance de crossfit avec entraînement à la maison. Alors, ça se décompose un petit peu comme d'habitude, donc c'est-à-dire qu'on a d'abord une partie mobilité. On va beaucoup plus s'axer aujourd'hui sur tout ce qui est rotateur interne et externe de hanche, donc le squat thérapie. Ensuite, on partira sur une partie un petit peu plus dite d'échauffement, donc réveil cardiovasculaire, qui durera 10-5 minutes. Ensuite, 1, 2, 3, pardon. De là, on partira sur un petit renforcement au niveau ceinture abdominale. Et à la toute fin, on aura un mode assez sympa qui durera aujourd'hui 14 minutes. Alors, première partie. On va passer sur des étirements un tout petit peu plus lents, un tout petit peu plus lents que d'habitude. Il faudra maintenir entre 30 et 45 secondes chaque étirement, d'accord? Donc, première partie ici, on garde une jambe tendue, on croise l'autre jambe par-dessus et on vient attraper son genou et on vient tirer le genou au niveau de la poitrine, ok? On essaie de garder le dos le plus droit possible. On maintient cette position 30 à 45 secondes. Hop, on relâche. On va faire exactement la même chose parce que ce qu'on fait à droite, on le fait à gauche. Exact. Hop, on tire le genou ici au niveau de la poitrine. Bim bam boum, on est parti, ok? De là, on va juste basculer un tout petit coup sur le côté et on va venir se mettre comme ceci, d'accord? Alors, une fois que c'est fait, on va une fois venir s'allonger complètement devant et une fois complètement venir chercher la torsion ici au niveau lombaire, d'accord? On revient ici, on vient s'allonger le plus loin possible, le plus bas aussi, on se redresse, hop, on vient faire la torsion. Ce qu'on fait à droite, évidemment, on va le faire à gauche. Ceci, deux petits angles droits, devant, derrière, devant et derrière. Ok? Une fois que c'est fait, on va juste venir se mettre comme ceci en derrière. Donc la plante des pieds ici, l'une contre l'autre, garder le dos bien droit et tenter de ramener les genoux le plus près possible du sol. D'accord? Ne venez pas commencer à venir faire le papillon ou quoi que ce soit. Non, on essaie juste, si vous voulez, vous pouvez vous aider des coudes aussi. Essayez d'amener les coudes le plus bas, les genoux parfois le plus bas possible. Ok? Ces mouvements-là, vous pouvez faire 3 tours au total en guise d'échauffement. Ensuite, on a la partie warm-up, donc la deuxième partie. On va partir sur un mouvement dont l'intonation est incroyable, à savoir les mountain climbers. On commence d'abord avec 100 répétitions au total. J'explique. 100 répétitions, jambe droite, jambe gauche, ça vaut pour 2 répétitions. D'accord? Donc en fait, c'est 50 à droite, 50 à gauche. On est comme ceci, position hanche haute, on envoie le genou, on part pour 100 répétitions, on prend 30 secondes de pause, on y retourne, on part pour 25 répétitions au moins, donc 75, 30 secondes de pause, 50, 30 secondes de pause, 25, et puis après ça vous pouvez prendre 2 à 3 minutes de pause complète. Okay? Le temps d'aller boire un petit coup, le temps d'aller chipoter à son magnifique smartphone et de brancher la chanson du Tabata. Deux mouvements aujourd'hui du Tabata. Premier mouvement à maintenir pendant 20 secondes, on est comme ceci. On vient juste chercher la position du squat profond, d'accord? On les maintient pendant 20 secondes, on essaie de garder le dos droit. Même si vous descendez que jusqu'ici, tant que la position est bien maintenue, c'est ok. Si maintenant je commence à avoir des trucs comme ça, ou des trucs où on essaie de prendre appui pour avoir plus facile, ça c'est pas cool, d'accord? Donc ça c'est le premier mouvement. Le premier mouvement, celui-là. Et alors ensuite, on a cette position-ci, on vient juste marquer, boum, la position de Holloway. Ok? Squat et Holloway. Alors, ensuite, pour le WOD, aujourd'hui, ça sera un AMRAP de 14 minutes avec exactement 5 mouvements. D'accord? Vous commencez par une répétition de chaque, deux répétitions, trois répétitions, et chic, et chic, et chic, et chic, jusqu'à la fin des 14 minutes. Donc, premier mouvement, celui-ci. Hop, on part juste sur un superman, ok? Une fois que c'est fait, j'ai oublié un truc. C'est une chaise, ok? On vient mettre la jambe droite dessus, comme ceci. On regarde bien devant, on descend et on part sur un Bulgarian squat, ok? C'est fait, on va bim sur un sit-up. Ce qu'on fait à droite, on le fait à gauche. Donc, on positionne son pied comme ceci. Je le montre. Non, ça se montre. Comme ceci. On met un pied en avant. Je vais arrêter de dire comme ceci, mais pas aujourd'hui. Hop. On descend.
On se relève et hop, on part pour un jump and jack. D'accord? 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, check et check et check et check, jusqu'à 14 minutes. Donc du coup, voilà. Aujourd'hui, c'est la session que je vous propose. J'espère qu'elle vous plaira. J'étais content de pouvoir venir ici un petit peu pour ressentir l'âme un petit peu du crossfit qui manque. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous entraînez quand même un petit peu et que vous arrivez à trouver une espèce de pseudo-routine dans cette période un petit peu compliquée. Et je vous dis à bientôt. Salut!